Ok, c'est ma soeur qu'on a saigné les franges tout à l'heure. Ouais. On va vous expliquer pourquoi c'est exploitant les franges. Le marché. Luc de Nantes, la prostituée, la 738. Maintenant, pourquoi on s'est dit, on met une un vêtement sur nous, on met une robe, une bonne, une belle jupe, son pied vert, Dieu, lit. Parle aux enfants d'Israël. Parle à qui? Aux enfants d'Israël. Donc, ce qu'on va lire ici s'adresse aux 12 tribus d'Israël, aux 12 fils de Jacob. Et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération. Bon, propose-les. De génération en génération. De génération en génération, ma soeur. Là, donc, de génération en génération. Donc, il y a quelque chose que tu dois faire de génération en génération. Génération en génération, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es un enfant, tu l'enseignes. Et l'enfant l'enseigne à ses enfants. Comme ça, ça fait de génération en génération. Tant et aussi longtemps que tu te génères. Lis. Une frange au bord de la vêtement. Donc, autour de tes vêtements, tu dois avoir une frange. Qu'est-ce qu'une frange? C'est ça, ma soeur. Une frange, c'est ça. Tu vois ce petit bout de tissu? Tu es censé avoir ça au bord de tous tes vêtements. Mais pourquoi? Et tu mettes un cordon bleu sur cette frange. Donc, tu dois avoir un cordon bleu. Un cordon bleu, c'est un ruban. Tu comprends? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est compliqué d'avoir ça? Est-ce que base ça compliqué pour acheter? Non, ou je ne base ça à tous côtés. Oui. Je vends une frange là, un bon magasin de tissu. Montréal Nord, Saint-Michel, un bon haïtien qui cap vend base ça. Donc, c'est pas compliqué. Lis. Quand vous aurez cette frange, ok, l'un abgé frange ça sous nous, vous la regarderez. Donc, faut que vous gardez frange ça. Pour qui ça pour garder? Lis. Et vous souviendrez de tout. Les commandements de l'Éternel. Si vous souviendrez. Ça veut dire vous avez changé. Pour qui ça pour changer? Parce qu'au fur du temps, qu'on bail qu'on vient oublier. Vous venez oublier bah ça. Oubliez qu'on est enfant d'Israël. Oubliez qu'on est petit Lévi. Pour qui ça? Dans l'esclavage. L'esclavage là, vous venez effacer ça que t'es dans tes tours. Vous venez oublier culture. Vous venez oublier sous. Vous suivez ma soeur. Ok? Il dit l'objet des francs ça. Vous vous souviendrez, ça veut dire que vous avez changé. Pourquoi vous avez changé? Parce qu'on a oublié qui est souillé. Et ça fait aujourd'hui, on est les Haïtiens. Où est le Porto Ricain? Où est le Jamaïcain? Pour qui ça? Vous pas juste oublié. Vous êtes frangé. C'est pas frangé seulement si vous oubliez. Oubliez tout ça qui vient avec. Oubliez qu'on est une race à part. Oubliez qu'on est une race qui sait. Oubliez qu'on est une race qui est proche de bon Dieu, t'a observé et qu'on t'a enseigné à ça. Nous venons oublier. Relis-le encore. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez. Vous regardez. Et vous souviendrez. Vous vous souviendrez, ça veut dire que vous venez changer. De tous les commandements. De quoi? De tous les commandements. Frange ça, l'organe sous, c'est pour un rappel lié. Pour mettre en pratique loi bon Dieu te baille. Loi te baille Moïse. Loi Moïse sacrifie vie personnelle pour nous. Pour nous-mêmes. Moïse, c'est ton tribu, c'est ton lévité. Bon, soi-disant, si Moïse a vu Dieu, il a considéré Moïse en tant qu'haïtien. Il s'est sacrifié ville pour nous. Il a sacrifié royauté, Égypte pour nous. Vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel. Donc, vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel. Vous mettez tout en pratique. Ok? Donc, on ne fait pas qu'on doit mettre pantalon. Vous supposez respecter le sabbat. Honorer Mario et tout. Fête solennelle que bon Dieu te baille. Pas fêter Noël, la Halloween, fête des mères, fête des pères. Tout bail comme ça. Ça, c'est bail que nous venons apprendre. Après l'esclavage, là on prend nous au pimpé nous en Haïti et puis nous venons oublier qui est-ce nous. C'est blanc qui nous apprend nous faire ça. Mais nous pas dans la saloperie comme ça avant. Vous comprenez? Il dit, là on a gardé frère ça, on a venu changer. Lis! Pour les mettre en pratique. Pour qui ça? Pour les mettre
en pratique. Pour mettre en pratique, ça veut dire qu'on a un bail pour faire, on a une action pour faire. Tandem seul, on a une action pour faire. La loi, bon Dieu, c'est pas un bail qu'on attendait ou dit ah. Et puis, on va mettre en pratique, non. Il faut les mettre en pratique, il faut observer. Ou qu'on action pour faire. Li? Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs. Donc tu ne suivrais pas les désirs de ton cœur. Ça veut dire vous dire là, ah non, mettez-le l'autre jour. Ah non, non, je dis à pas. Non, ça ce sont les désirs de ton cœur. Comprends? Bon Dieu, bon loi, il écrit dans la Bible, il est bon pour vous. C'est ça qui a bon, c'est ça qui a bon la vie éternelle. C'est et comme ça, et comme ça, et comme ça, vous montrez bon Dieu pour vous-même. Qu'on fait volonté. Donne-moi cette volonté, psaume 40, psaume 48. Qui volonté, bon Dieu? Qui volonté, bon Dieu, ma soeur? Qui a bon Dieu attendre l'idée ou même? Ou même là, qui a passé sous la terre là, ou a passé sous la terre pour peut-être 80, 90 ans, plus, dépendamment de grâce, mon effort. Mais passage ou sous terre, ou qu'on baille pour faire. Bon Dieu fort, il suscite, il met ton esprit en haut. Mais ou qu'on travaille pour faire. Donc qui ça, bon Dieu, laisse quitter pour faire? Donne-moi sa volonté. Psaume 40, verset 9. Je vais faire ta volonté, mon Dieu. Je veux faire ta volonté. Donc, David dit, il veut... ma soeur, je veux faire ta volonté. Lis. Et ta loi. Et donc, c'est quoi sa volonté? Ta loi. Qui ça? Ta loi. Qui ça qui volonté, mon Dieu? Mon Dieu. La loi. La loi. Je lis encore. Et ta loi est au fond de mon cœur. La loi de Dieu est au fond de mon corps. Donc, ouais, loi, c'est une loi, franchement, son loi liée. Vous comprenez? Là, on peut montrer, bon Dieu, qu'on est prêt à faire sa volonté. Vous montrez, bon Dieu, qu'on remène. Vous montrez, bon Dieu, qu'on va chercher. Vous montrez, bon Dieu, que vous craignez nous. Vous comprenez? Mais est-ce que pasteur apprend nous ça, je dis? Hein? Pasteur apprend nous ça, ma soeur, ça va bien? Est-ce que pasteur apprend nous ça? Est-ce qu'elle est dans l'église? Pasteur, parce que yo mettez nous chita, y a pas prendre nous loi. Est-ce que yo apprendre nous ça? Non, oui, l'église là dans l'église ça yo fait. On a l'étude biblique. Oui, nous gain ti étude biblique. OK, oui, ça oui. D'accord. Est-ce que yo ba ou bon? Est-ce que yo ba ou bon doctrine là? Oui. Bon l'évangile là. Bon l'évangile. Bon l'évangile là? Oui. Comment ça se fait qu'on pas gain franc sou? Comment ça se fait que aujourd'hui samedi, on pas acheter? Non, parce que bon ba quel pas d'eau. Ou bien on peut-être ou rebelle, par contre, est-ce qu'on rebelle? Pas adventiste. Non, c'est pas un bail d'adventiste, c'est un bail de loi. Bon, c'est pas de bail adventiste, il pas de bail pentecôtiste, il pas de bail catholique, il pas de bail témoin Jéhovah. Il pas de bail non rien de bail ça, yo. Vous comprenez? Il bail loi. Vous comprenez? Il bail loi, statut et commandement pour respecter. Vous comprenez? Et nous-mêmes qui pensons que pour respecter sabbat, faut pour adventiste. Non! Respecter ça va, leur besoin, leur chercher mon Dieu, leur faire volonté. Vous comprenez? Et ça va. Black power while Heron was pushed, but at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold, from Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone, 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.